Salut tout le monde, c'est Azarath, on se retrouve pour l'épisode 6 du petit playthrough. Et tout simplement, attendez, je règle un petit truc. Hop, voilà, c'est parti. Et donc on doit sauver le petit soldat, le petit lieutenant de la RNC ou le shérif ou je sais plus trop quoi de ce bâtiment là, du casino. Apparemment il est retenu en otage à l'intérieur. Et d'après mes souvenirs, c'est là que c'est des vrais poudriers et que là si là non là, là je me planterai pas là. Hein, je me suis déjà assez planté comme ça. Si je mets la tenue de garde de poudrier, normalement là je passe. Si je dis pas de bêtises, je passe. On va essayer. Allez, on y va. Normalement là il y aura pas de souci. Normalement quoi? Mais non. C'est pas possible, c'est pas possible. T'es qui toi? Oh putain, c'est encore des renégats. Bon bah c'est tout, on va se les faire à l'arrache. On va se les faire à l'arrache. Et puis c'est tout. Il a une dynamite dans les mains, ça me rassure pas. Eh merde. C'est sans espoir! Ouais mais non en fait. Ouais mais non, là parce que. Parce que là le truc c'est que j'ai plus de vie, j'ai plus de steam pack, je n'ai plus rien du tout. Pour me soigner, alors là c'est la merde totale. C'est la merde. Ah je suis niveau 2. Je suis niveau 2. Je suis niveau 2. Je suis niveau 2, mais le truc, est-ce que je peux rajouter des points? J'ai rien gagné en fait. Non, j'ai rien gagné pour l'instant. Ok, d'accord. Donc, ben, je sais pas comment je vais faire parce que là, j'ai vraiment plus de vie. J'ai vraiment plus de vie du tout. Je vais faire une petite sauvegarde rapide, que je me gourre pas. Voilà. Ah tant pis, on va quand même essayer de... Ah j'aime pas ça. J'aime pas ça du tout. Hein. Ça te plaît? Oh! Bah voilà. Ça te plaît? Voilà. Voilà, putain de merde, je sais pas comment je vais faire. Hein. Je sais pas du tout comment je vais faire. Hein. Là franchement... Trouvez le policier de prime pour obtenir des infos sur la destination de vos attaquants. Non, franchement. Franchement, là. Là, c'est la chienlit, là. Allez, charge la sauvegarde que je me tire. Hein. Voilà. Je crois que je vais aller à Good Spring. Je vais tout simplement aller à Good Spring. Et aller chercher. Aller me chercher du matos. Donc, de toute façon, il y a le voyage rapide, hein, ça va aller vite. Alors, j'ai du pro du Sky Divine. Camp ouest des poudriers, source de Good Spring. C'est au-dessus, je crois. Non! Comment on bouge la carte? Voilà. Good Spring. Je vais aller à Good Spring. Hop. On va tout simplement aller se ravitailler un peu et peut-être trouver des armes aussi. Parce que, bon, on loot des vieux fusils tout pourris et des flingues, ok, mais... Il y a peut-être moyen d'acheter des armes, il y a un armurier là, à Good Spring. Donc, au saloon, il y a peut-être des trucs à vendre. On va faire un peu le tour des boutiques, parce que ça c'est un truc que j'ai pas fait dans les épisodes précédents. J'aurais peut-être dû le faire. Là, je vais peut-être pouvoir vendre tout ce que j'ai à revendre. Je suis contente que cette affaire soit terminée. Je préfère quand Good Spring c'est calme et tranquille. Ouais, oui, t'inquiète. Voyons ces Je vous fais une marchandises. remise spéciale après ce que vous avez fait pour nous. Oh, bah tiens. C'est cool ça. Alors, ça c'est moi ça. Ça c'est à moi. Ça c'est à moi alors. Je vais tout revendre. Les flingues, les machins. D'accord.
Non, non. Par contre, après, le souci, ouais, c'est qu'elle a plus de capsule. Oh, désolé pour le petit son de Facebook. Elle a plus de capsule. Elle a plus de capsule, du coup, je peux pas tout revendre, en fait. Bon, j'ai revendu une partie de... Merde, comment on fait? X. Faites-moi signe si vous avez besoin d'autre chose. Allez, à plus tard. Prudence. T'inquiète. Bonsoir. Ouais, donc il va falloir que je vendre autre chose. Ça apprendra au poudrier à pas se frotter à Good Springs à l'avenir. Bien sûr. Suivez la route jusqu'à ce qu'elle rejoigne l'autoroute. Prim est la ville aux montagnes russes au sud. On peut pas la rater. Les patrouilles de la RNC font du bon travail, mais gardez votre arme à portée de la main. On sait jamais sur qui on va tomber. Si vous quittez la route, vous aurez probablement affaire à des bêtes féroces. Je vous conseille de rester le plus possible sur la route. La plupart du temps, je chasse le gecko. La viande est bonne et je peux toujours trouver un acheteur pour la peau. Je nettoie aussi la ville des rats de scorpions et des coyotes. Il n'y a pas beaucoup de monde à Good Springs, alors les animaux sauvages en profitent. D'accord, ouais, tu fais pas grand-chose, quoi. À la Bon, prochaine! ouais. Ok, c'est tout, c'est tout. Tiens. Alors, les terminaux sont protégés et qui est possible d'accéder sans mot de passe. Votre compétence science est assez élevée, vous pouvez essayer de pirater le terminal. Ah oui. Si vous choisissez le bon mot de passe, vous aurez accès au terminal. Si vous vous trompez, on vous indiquera combien de lettres sont correctes au bon emplacement. Vous avez droit à 4 essais. Ouais. Possible de quitter la tentative de piratage de toi. Pourquoi c'est... Accès terminal requête. Initiation au Coop Industries, hein, mode maintenance, bon, c'est un début. Saisir un mot de passe maintenant. Alors, c'est un mot de passe à 4 lettres. Alors, je sais pas, moi. Decide. Jessica. Ah non, c'est 4 essais restants, ok. Entrée refusée. 1 sur 7, correct. Oh là là. Fencing. Dancing. Yeah. Monsieur, votre sécurité, votre sécurité. Bienvenue, utilisateur. Autorisation accordée, déverrouillage. Déverrouillage de quoi? Merde, j'ai fait quoi? Ok, je déverrouille un truc. J'ai déverrouillé un truc. Y a pas un coffre ou je sais pas quoi que j'ai déverrouillé. Bonsoir. Quoi? Bon, je sais pas ce que j'ai déverrouillé, si vous savez dans les commentaires et tout, n'hésitez pas. Et peut-être un coffre fort qui s'est déverrouillé quelque part, je sais pas. Bonsoir. Ouais, Ringo, salut. Donc, ouais. Je sais pas trop. Je ne sais pas trop. Ah, il n'y avait pas une porte verrouillée dehors. Il y avait une porte verrouillée quelque part dehors, là. Il y avait une porte, si je me souviens bien, il y avait une porte verrouillée. Verrouillée très facile. Bon, c'est pas ça, mais...
Alors, ouais, bah ça c'est le même système que Skyrim, je pense. Voilà, c'est bon. Je suis rentré. Alors je suis où là? Alcool de contrebande. Oh, c'est pas bien ça, Trouby. C'est pas bien. Alcool de contrebande. Oh tiens, niveau 3. Alors, arme à feu, j'ai combien de points à mettre? 13. Vache. Médecine. J'en mets un peu en médecine. Survie, troc. Influe sur les prix obtenus lors de la vente et de l'achat d'objets. J'en mets un peu. Sinon, on va... J'en mets un peu en armes et énergie, parce que si j'en trouve une, je serais bien content. Ok. Donc on prend l'alcool de contrebande. Ça peut se revendre, je pense. Y a quoi d'autre là-dedans là? Parce que c'est bien beau. Il a pas l'air d'y avoir grand-chose, hein. Oh là 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 là, c'est pas bien, c'est pas bien. Ah, la ferraille. Pile à fission, oh nickel. Térébenthine. Conducteur. Ça c'est bien ça. Alcool de contrebande encore. Comme ça si... Oh merde, je suis surchargé, ok, d'accord. Je suis surchargé. Bon. Objets. Divers. Bouteille de lait. On lâche. Bouteille vide, argent d'avant-guerre, caisse, capsule. Ah, j'ai ça. On va prendre ça. Au sale, on a... Fruits d'agave. On va manger un peu, ça va me soigner. Un kit de rapport effet. Kit de réparation. Ouais, ok. Alcool de contrebande. On va boire, on va picoler. La sunset. La sunset. J'ai des super Steam Pack, putain, j'avais pas vu. Putain, le con. Viande de chien. Du vin. Non, ça c'est pour le mode. C'est tout. Bon, c'est un peu allégé. Merde. C'est un peu allégé. C'est un peu soigné et tout ce qu'il faut. On va essayer de faire encore un peu le tour des boutiques, etc. Surtout essayer de trouver l'armurerie. Ben alors là, je ne sais pas du tout où ça se trouve. On va faire un peu toutes les maisons, hein. Ok, donc ça c'est, je ne peux pas y aller. Parce que mine de rien, c'est pas. J'ai pris un peu de tout et de n'importe quoi. Ouais, je disais mine de rien, c'est pas si petit que ça, Good Spring. Ça c'est une simple maison, donc y a rien à voir là-dedans. Moi c'est une boutique que j'aimerais avoir. Là il y a le saloon. General Store. On va aller au General Store. Wesh ma gueule. Ça a été une sacrée bagarre. J'espère que ça se retournera pas contre nous. Oh ta gueule, oh. Alors. D'accord. Ah, des munitions. À point de creuse. Dégâts x1,75. Oh, c'est pas mal ça. Allez. Des balles point de creuse aussi. Balles spéciales. Calibre 38. Bon, on prend hein, ça. Ça pourra peut-être servir un jour. Encore à point de creuse. Ça, c'est des cartes. Je sais plus à quoi ça sert. 9 mm point de creuse, on prend. Non, ça, on s'en fout. Armure de cuir. Calibre 20. Voilà, on va en prendre quand même. Boîte de piles, petite cellule énergétique en gros. Ça c'est bien si j'ai une arme énergétique ouais, pour l'instant. Caisse de munitions de 22, tir d'entraînement. Bon. 38, on les prend. Y a beaucoup de munitions quand même, hein. Il y a beaucoup de munitions différentes. État pistolet, hein. Ok.
Cellule énergétique. On va les prendre. Hop. Farine, fer, fer, grippe, harmonica. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un truc de mode, mais je sais pas ce que c'est. Ah, c'est pour modifier les armes, d'accord. D'accord, d'accord. Organe visé, combat pistolet laser. Mais j'ai pas de pistolet laser. Pile à fission. Ah, pistolet laser, nickel. Alors, pistolet laser, pistolet à plasma. Pistolet à plasma. Je prends le pistolet à plasma. Ok, je vais regarder ce qu'il faut, ce qu'il lui faut comme munition au pistolet à plasma. Non, non, accepte. Je vais en profiter pour revendre des trucs. Argent d'avant-guerre, armure pire, tribal, je vais la revendre. Cure légère, métal légère, ça je le revends. Bouteille vide. Chapeau de desperado, chapeau de... Allez. Voilà. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Ah, t'inquiète. Et bonne chance. Donc on va voir quelle munition il faut pour ce fameux pistolet à plasma. Alors, pistolet à plasma. Il faut des cellules énergétiques. Non. Cellules OC, c'est quoi ça? Apparemment j'en ai, mais... Cellules énergétiques surcharge, d'accord. 11. Je peux tirer que 11 fois du coup. J'ai que 11 tirs. Arrêtez ça, d'accord? Ouais, d'accord, 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 c'est bon, c'est bon. T'inquiète. Vous voulez acheter quelque chose? Oui. D'accord. Alors, je me demande si je vais pas prendre le pistolet laser aussi, parce que franchement, ça me botte. Donc attends, cellule énergétique. Ok. Bon, apparemment, il n'y a pas d'autres munitions. Pile à fission. Je vais prendre le pistolet laser. Pile à fission. Apparemment on peut les fabriquer mais je sais plus comment on fait. Bref. On va quitter. Ça fait toujours plaisir de satisfaire la clientèle. Ouais, t'inquiète. Hop. Et bonne chance. Alors le pistolet laser maintenant. Arme. Pistolet laser. Alors là j'ai déjà pas mal de munitions en plus. Ok, nickel. Ouais, j'ai des steam pack, tout ça, ok. Est-ce qu'on essaye d'aller se les faire? Là on est chaud patate, on est armé, on est full vie. Moi je dis là on est prêt. Là on va le sauver, le lieutenant, shérif, je sais pas quoi. Là les poudriers, attention. Attention les poudriers. J'espère qu'ils ont pas repop les mecs. J'ai pas envie de me les retaper en fait. Non, ça a l'air d'aller. Rien à signaler. J'ai peut-être pas une grande compétence en armes énergétiques. Voilà. Bon, de livraison de Moraf Express. Oh, c'était un des coursiers qui devait livrer un des 6 objets bizarres là. D'accord, d'accord. C'était un collègue. Bon, bah il est mort. J'ai plus de chance que lui. Ah, ok, c'est pas grave. Allez, c'est parti. Ok. Je crois que le pistolet à plasma, il fait plus de dégâts, je crois, je sais plus. Pistolet plasma. Ah oui, il fait plus de dégâts. J'ai moins de munitions, mais bon, c'est pas grave.
Ah non, tiens. J'ai récupéré des munitions. Bah, merde, je comprends pas. J'en ai racheté? Ça doit être les mêmes munitions C'est pour sans les deux. espoir. Je pense. Où c'est qu'il va, lui? Il s'est pris un coup de laser, il s'en va, lui. Ok, pas assez de... Pas assez de... Même truc. On sait, on va avancer. Mes PA se rechargent. J'attends un peu que ça se recharge bien. Hop, viens par là, toi. Je peux lui tirer deux fois dessus. Ok. Il est infirme. Ouais, les armes à énergie, j'aime bien, en fait. Ça a l'air pas mal efficace, hein. Ça a l'air pas mal du tout, même. Un mec, le bol. Bon, désolé pour le petit bruit de Facebook, hein. C'est encore moi. Bon, lui, il veut pas crever, apparemment. Ça y est, il est mort. On loot. Allez hop, paquet de clopes, tac tac tac, on y va. On va fouiller un peu quand même parce que il y a l'air d'y avoir pas mal de petites choses. Des capsules, bon, il n'y a pas grand-chose en capsule. Hein. Argent d'avant-guerre, presse-papier, on s'en bat les couilles. Bouteille, hein, ça faut le prendre. Bouteille vide, bon, non, c'est un ramassis de merde en fait, ici, y a rien du tout. Non, il n'y a rien du tout, c'est pas la peine de rester. Il n'y a que dalle. Alors moi je suis arrivé par là, je continue par là. Ça, on peut pas l'ouvrir. D'accord, ok, là il y a une porte. Porte de maintenance, verrouillée facile. Il vous faut une capacité de crochetage 25. Pour crocheter, pourquoi? J'en avais déjà déverrouillé une, pourtant. Étrange, bon, bah, c'est tout. On va pas les... Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, Nuka-Cola, on va les prendre. Wow, pourquoi je fais ça, dégage. J'ai entendu une voix. On va y aller en sneak. Y aller en sneak. Ok. Wow. J'ai des petits freeze, j'aime pas ça. Allez, allez. Ouais, c'est bon. Je te tiens, ça y est. Quoi? Enfoiré, putain, il m'a fait peur. Bon, ils ont pas l'air armés. Oh! Ça suffira? J'avais plus qu'un tir. J'avais plus qu'un tir. Par contre, là, du coup, vu que j'ai épuisé mes munitions de pistolet à plasma, je crois que le pistolet laser... Ah, il m'en reste un tout petit peu. En fait, il me faut tout simplement des cellules énergétiques. C'est vrai que j'aime bien les armes à énergie, elles sont pas mal du tout. Ah d'accord, je peux ouvrir que les portes très facile en fait. Pour l'instant. D'accord. Trousse de médecin, chouette. Boîte de premiers soins. Elle est vide, putain, mais chier. Ferraille, pistolet à peinture. Ça c'est des petites merdes qui se revendent. Aspirateur, on s'en fout. On va pas se surcharger non plus, hein. C'est pas le but. Là on y va tranquillement. En essayant d'être un minimum discret, parce que là il y a du monde. Là il y a du people. On peut le voir en bas à gauche, il y a du peuple. Là c'est blindé. Il me reste quelques munitions de pistolet laser. On va essayer de pas les gâcher. Là j'ai l'effet de surprise, on va dire. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ok, j'ai plus de munitions dans le laser. J'ai plus de munitions dans le laser. C'est chaud. Lance de jet, tiens. On va prendre les lances au niveau.
J'ai pas une énorme portée avec ça, mais ça fait bien mal. Merde. Ça pue, là, je suis encerclé. Putain, je suis encerclé. Oh, ça pue. Ça pue. Il me faut une autre arme. Calibre 12. Non. Single shotgun. On va prendre ça. Attention. What the fuck? Ça va là? Ça va ou quoi? Putain. Ils m'ont violé. Là c'était un gangbang. Laisse tomber quoi. Oh là là là. Ta gueule toi. Non, j'ai pas envie de te parler. Allez, dégage. Et une tête. Au suivant. Ils sont où? Ils sont où? Ouais, alors pourquoi ils sont... Ah, ils sont arrivés par là, les petits salopards. Non? Je vois rien du tout en plus. Ouais, ils ont dû, à mon avis, ils sont arrivés par là. Ok. Hop, hop, hop. Voilà. Wow! Joli ça! Magnifique! J'en ai fait de la purée. D'accord, ils arrivent par la porte en fait. Merde, j'ai plus de munitions. Ok. Alors. Déjà, je vais me soigner. Hein? Déjà, je vais me soigner. Alors. Objet. Aide. Super Steam Pack. Voilà. Là déjà, je suis bon là. Ensuite, je vais prendre le calibre 12 robuste. En mode gros bourrin, rien à foutre. Ouah, putain, je me fais défoncer. Faut un truc qui soigne. PV plus 2. Stealth Boy. Non, je vais pas l'utiliser. Ça, c'est du venin. Viande de chien. Viande de mouche. Après, voilà, là, ça pue du cul. Hein. Je suis en train de m'irradier la gueule, mais bon. Ça suffira. Bouffe! Tu as crevé, oui! Oh la vache! Allez, dites-moi qu'ils ont des fruits mutants croquants. Ouais. Ah, je prends tout ce qui passe. Hein. Alors là, rien à foutre, je prends tout ce qui passe. Il me faut du... des trucs qui soignent. Un morceau d'écureuil, ouais, allez, hop. Du Steam Pack, nickel. On prend tout ce qui passe. Ah, n'empêche, Epic, le mec, là. C'est énorme, ça. T'as poisseux. Carotte fraîche, allez. Dynamite. À boule, allez, fait péter. Voilà. Qu'est-ce qu'il avait sur lui, fusil à vermine? Ouais. Je me demande si le fusil à vermine, c'est pas mieux. Non, je vais garder mon...
Donc calibre 12. Comme là, c'est un peu de l'environnement combat rapproché, etc. Voilà quoi. Hop. Il n'y a rien. On va pas s'éterniser. Argent d'avant-guerre. Ouais. Enfin, il n'y a pas grand-chose dans ces petites pièces-là. Ça sert à rien de rester 3 heures pour fouiller. Et de toute façon, là, on va s'arrêter là. Ça fait déjà une demi-heure qu'on est sur cet épisode. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Merci de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Moindre commentaire, même si vous dites n'importe quoi. Franchement, ça me fait plaisir parce que ça prouve qu'il y a des gens qui regardent, d'autres personnes qui regardent mes vidéos. Rien que ça me fait vachement plaisir. Donc n'hésitez pas à vous abonner hein, pour plus de contenu. Et voilà, c'était Azarath pour Gaming for Fun. Je vous souhaite une bonne soirée et une bonne journée. Je vous dis à la prochaine. Ciao!